For the moment, you have the fresh note, like petit grain. Do you know petit grain? Yes. But after the tuberose, moi, jeune parfumeur, quand je suis arrivé dans la région, j'ai cherché à rencontrer les gens, rencontrer les plantes. On imagine assez bien un parfumeur au milieu de son laboratoire, avec ses flacons. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien voir où ça se passe, j'aimerais bien voir le terroir. Et donc, je suis allé voir, entre autres, Michel Cavalier. Et c'était vraiment une belle rencontre parce que j'ai rencontré quelqu'un qui déjà entretenait un grand jardin avec courage. Il faisait des choses magnifiques avec une éthique. Donc c'était vraiment un vrai bonheur pour moi de pouvoir commencer ce métier avec quelqu'un comme Michel. Et je pense que ce que ça a pu changer dans ma démarche, c'est de rechercher une certaine, je dirais presque simplicité, rigueur, une douceur en même temps. Donc peut-être c'est cette façon-là que Michel a influencé mon travail. Bon, je ne suis pas quelqu'un spécialement mystique, mais il y avait vraiment quelque chose de beau. Et je pense que ça ne frappait pas seulement moi, je pense que tous les gens qui passaient par là étaient confrontés à ça. Et je dirais aussi que ce qu'il y avait chez Michel, c'est qu'il y avait aussi un ancrage sur une terre qui était la terre de ses parents et de ses grands-parents. On sentait qu'il y avait aussi plusieurs générations qui avaient habité, qui avaient travaillé là. Et ça, c'était aussi très intéressant de voir qu'on était relié à une histoire qui remontait assez loin, qu'on était relié à un patrimoine. Et ça, je pense que ça émanait. C'était environ dans les années 1920, l'époque où justement Jean-Baptiste, mon arrière-grand-père, acquiert les premières parcelles de terrain acquis de la propriété Roure. Et c'est là qu'il commence à développer pour sa propre, pour son compte, hein, en étant totalement autonome maintenant des parfumeurs, où il développe les productions de roses, de jasmin, de tubéreuses à une époque où on était encore là dans l'âge d'or de la plante à parfum. Et si le producteur travaillait, ben il gagnait relativement bien sa vie. Bon, l'apogée des productions floristiques en Pays de Grasse, c'est en gros 1900 à 1930, avec une apogée dans les années 1912 à 1920-25. On parle de deux tonnages qui nous paraissent aujourd'hui presque déraisonnables, 1800 tonnes de jasmin, 2000 tonnes de roses, 300 tonnes de tubéreuses, 2000 tonnes de fleurs d'oranger et tout à l'avenant. Le fils, le petit-fils ont continué en voyant évoluer justement cette agriculture qui était à cette époque, on peut dire, certainement de qualité biologique parce qu'il y avait très peu d'intrants dans les champs. Et ce mode de production s'est totalement transformé. La plante à parfum
a perdu de sa noblesse, on va dire, et de son développement, puisque les productions se sont externalisées vers l'Afrique du Nord, dans les pays où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Ça a été l'arrivée des solvants, ça a été l'arrivée de toute une industrie qui était plus axée sur la chimie aussi. Dans ma famille, on a bien vu ce changement d'une agriculture encore artisanale, propre, etc., vers un glissement, vers un changement de production, puisqu'on est passé sur du maraîchage, puisqu'on ne gagnait plus du tout sa vie avec la plante à parfum. Moi, j'ai vu mon père arracher les derniers jasmins dans les années 80, quelque chose comme ça. Pour lui, ça a été à la fois quelque chose de très douloureux et à la fois quelque chose de... un grand soulagement, parce que c'était beaucoup des hauts et des bas. Hein. Une année, on vous paye la fleur, une année, on vous la paye peu. Enfin bon, c'était très difficile. Et puis les contraintes du personnel pour faire des cueillettes qui sont très, très longues, très difficiles, on va dire. Hein. Donc là, il fallait trouver un personnel adapté qui veuille bien faire ce travail. Oui, les années 60, c'est une période où il y avait encore en gros 300 tonnes de jasmin, ce qui est considérable puisque ça représente presque près de 100 hectares de culture. Pour la rose, c'est la même chose, nous avons des quantités du même ordre, donc c'était 300-350 tonnes de rose centifolia, qui est une rose bien spécifique au Pays de Grâce, puisqu'elle est très peu cultivée ailleurs. La tubéreuse, dans les années 60, c'était déjà un déclin considérable, puisque je crois qu'à l'époque, on faisait encore une douzaine de tonnes, 12 ou 14 tonnes de tubéreuse. C'est-à-dire qu'il devait rester en gros 3 à 4 hectares. Tout ça petit à petit s'est amenuisé, a disparu. On a vu les champs disparaître complètement, les maisons fleurir à la place des champs de fleurs. J'ai vraiment connu cette métamorphose, cette transformation au niveau du paysage, mais au niveau aussi des consciences dans le monde agricole. Je pense qu'une certaine qualité de modernisme, avec tout ce que ça impliquait de séduisant, les tracteurs, les engrais, la facilité, réduire la pénibilité du travail, permettre peut-être d'avoir un jour des vacances, espérer se sortir par la quantité, eh bien justement, c'est ça le mot, c'est qu'on est tombé dans le règne de la quantité et de la productivité, qui sont des notions fausses au regard des besoins réels de l'homme. Donc cette erreur a produit ses effets. Il a fallu longtemps pour s'en rendre compte.
On nous a dit produisez, produisez, il y a les moyens aujourd'hui, on va vous aider, vos prix vont baisser un peu, mais on va être concurrentiel sur le marché mondial et ce que vous perdez, nous allons vous le compenser largement par des subventions. Et donc le piège était là, parce que j'ai l'impression malheureusement qu'il y a des gens qui calculent avec quelques décennies d'avance sur le devenir de l'économie. C'est très grave ce que je dis là. Mais à 77 ans, c'est peut-être le moment de dire certaines réalités vécues et authentifiées par la vision du monde tel qu'il est et de son évolution. Donc, moi, j'en arrive à cette conclusion. On a permis aux gens de s'en sortir avec des moyens artificiels, tenant bien compte que ça coûterait très peu de dire à un moment donné, les subventions, nous n'avons plus les moyens, et à partir de là, de détruire des pans entiers de l'économie pour spécialiser la productivité outrancière avec des tracteurs de plus en plus grands, des moyens de pesticides, de fertilisants de plus en plus considérables et décalés avec la qualité possible d'une production, c'est ce à quoi nous avons abouti aujourd'hui. L'arrivée de l'Europe dans notre jeu du passé, c'est la destruction de plusieurs millions d'exploitations agricoles. Donc, le résultat, c'est que chaque exploitation agricole qui a fermé, c'est entre 6 et 8 emplois. Entre l'amont et l'aval. Donc aujourd'hui, si on avait maintenu, je ne dis pas de garder tous les agriculteurs de l'époque des années 50 à 60, on aurait eu une certaine prudence. Aujourd'hui, en France, il y aurait zéro chômeur. Et tous ces gens qui sont dans les campagnes seraient des gens heureux, qui vivraient de produits naturels, qui auraient en même temps un esprit sain. Je ne dis pas S-A-I-N-T, mais un esprit sain, parce que vivant au contact des réalités, tous ces gens qu'on a déracinés qui se trouvent dans des HLM, eh bien ces gens-là ne sont pas heureux et ils deviennent revendicateurs parce qu'on leur donne des goûts de luxe qu'ils ne pourront jamais assumer. Les vacances, les voitures, le tourisme, les déplacements partout dans le monde. Donc on a créé des moyens artificiels et ça c'est encore un moyen de soumission de l'homme. Je regrette, mais pour moi c'est une réalité incontournable, une réalité vécue. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans des univers urbains. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que quand ils sentent des parfums qui leur apportent plus de... Enfin, quelque part, j'ai l'impression de relier les gens à quelque chose qu'ils ont connu ou que leurs parents ont connu. Le fait d'utiliser des matières naturelles qui donnent une richesse, qui donnent une beauté, et je pense que les gens se reconnectent avec ça. Même si c'est difficile de poser des mots là-dessus, je pense qu'une partie de notre travail, c'est de reconnecter à quelque chose qui est avec nous ou qui était avec nous. Et ça, je le ressens assez fortement, une espèce de perte de contact avec la nature que nous, on essaye d'apporter en douceur.
c'est à ce moment-là, il y a à peu près une vingtaine d'années, hein, que j'ai décidé de partir dans ce dans cette quête de sens, on va dire ça comme ça, hein. Un projet qui soit en lien avec ce patrimoine que je n'avais pas envie de voir partir avec toute cette histoire qui a fait la beauté, hein, du Pays de Grâce. Et puis mon histoire personnelle qui n'avait pas du tout envie de voir disparaître toutes ces odeurs magiques qui ont vraiment semé quelque chose de profond en moi. J'ai eu envie de faire ce projet pour mettre en forme et pour concrétiser quelque chose déjà pour que mes enfants et mes petits-enfants aient encore un témoignage vivant de ce que j'ai pu vibrer dans mon enfance, voilà, de ce qui a fait vibrer mon enfance, hein. Donc au départ c'est certainement l'histoire, c'est une histoire personnelle, hein, vraiment une histoire personnelle dans un chemin de vie, on va dire, hein. Qui rejoint un peu une histoire collective, parce que là on est vraiment sur un patrimoine local et même au-delà du local, hein, parce que là on est dans les parfums, on est dans les arômes, on est dans quelque chose qui n'a pas de frontières, c'est pas localisé ici, hein. Et avec tous les savoir-faire qui vont avec ça. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir encore mon père qui m'a transmis une partie de ses savoir-faire. J'ai vu beaucoup de choses dans mon enfance. On a encore des témoins vivants de cette époque qui vraiment peuvent encore transmettre ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont acquis déjà de leurs ancêtres et de tout ce qui, pendant toutes ces générations, s'est perpétué. Et voilà, donc nous, on est vraiment cette génération charnière qui avait à faire quelque chose. Parce que autrement, tout ça, je pense, disparaissait. Ça peut paraître prétentieux, mais il fallait que quelqu'un commence. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille. C'est parce que les gens nous appellent, hein. C'est, voilà, hein. On a la chance que les gens qui nous connaissent et qui, bon, ils voient qu'on est sérieux quand même. Les gens arrachent et qui mettent plus des plans. Il n'y a plus. Oui, c'est vrai que dans l'époque avant, on en avait plus. Il y avait plus de champs. Champs de roses, champs de jasmin, il n'y a plus rien. On trouve vraiment très peu vers les... Très peu, on trouve très peu de champs. Quand on est dans les champs, c'est une liberté, c'est notre liberté. Ben oui, c'est vrai. Parce que oui, c'est notre liberté. Hein. C'est rester enfermé, on peut pas. C'est malgré nous, c'est... L'important, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de partager, de faire un grand partage. Avec un ami, donc, on s'est lancé dans cette époque où
voilà, il n'y avait plus vraiment de devenir pour les fleurs locales. On s'est jeté à l'eau tout de même. Et avec cette vision simplement de maintenir quelque chose pour la transmission et pour préserver quelque chose qui était en voie de disparition. Alors la rencontre avec Michel, c'est une affaire de passionné, mais d'une passion particulière puisqu'elle étend ses ramifications dans quelque chose de plus profond et de plus essentiel. C'est-à-dire que c'est une rencontre pratiquement éthique. Non pas que nous soyons l'un et l'autre des moralistes, je parle d'esthétique puisqu'il s'agit d'intégrer à ce qu'on fait et à ses intentions la notion d'esprit, puisque cette qualité d'esthétique ne peut naître qu'à partir d'un certain état d'esprit de responsabilité, état d'esprit d'accueil de la beauté, qui n'a aucun rapport avec l'esthétique. Et Michel est une esthète, ça n'enlève rien à mon propos, mais notre rencontre s'est beaucoup structurée autour d'une vision simultanée, pour tous les deux, de ce qu'est la beauté. En tout cas, moi, j'ai essayé d'approfondir ce champ de la beauté. Ça n'est pas facile, puisque justement, ça n'a aucun rapport avec l'esthétique ni la joliesse. La beauté, quand on regarde jusqu'au tréfonds, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est rencontrer, c'est sa propre rencontre face à ce qui est. Vous voyez que c'est d'une exigence extrême, qui n'enlève rien à toutes les qualités de l'esthétique et de la joliesse, qui sont nécessaires, bien entendu. Mais c'est aborder les choses, aborder les fleurs qui sont symboles de perfection avec un état qu'on pourrait qualifier d'état d'être. Cet état d'être ne peut venir que chez des personnes d'une certaine qualité de simplicité. C'est la simplicité qui vous permet de regarder, de voir, de laisser vivre les choses qui viennent à votre regard, à votre pensée, à votre audition. Voilà, c'est comme ça que la rencontre s'est vécue. Deuxièmement, nous avons eu d'emblée une rencontre sur le plan de la responsabilité professionnelle. C'est pourquoi nous avons été les premiers à produire des plantes à parfum sur le Pays de Grâce en culture biologique. Et au début, là aussi, c'était regardé d'une certaine façon, avec un peu de doute, un peu de suspicion, se demander ce que ça recouvrait. Et pourtant, pour nous, c'est inséparable, là aussi, d'une certaine beauté. On parle aujourd'hui de fleurs d'exception du Pays de Grâce. Elles ont toujours été d'exception. Mais aujourd'hui, c'est un retour parce qu'il y a eu une période intermédiaire où on a utilisé les pesticides, les engrais à outrance et tout, parce que c'était la notion de productivité qui primait. Les producteurs n'en étaient pas responsables, ils étaient obligés de produire bon marché. On est parti sur la production. Après, que faire de la production? On n'y avait pas totalement réfléchi. Une production différente, en fait. Donc nos fleurs de qualité biologique sont parties dans les circuits classiques, mélangées aux autres, etc. Même si on n'était pas satisfait, on écoulait le fruit de notre travail. Et puis, bon, il y a eu c'était révolutionnaire hein, d'amener de l'agriculture biologique dans un domaine qui ne s'était jamais posé la question. On a eu des réflexions du style mais à quoi ça sert, la plante à parfum, on la mange pas, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle conscience sur ce type de production qui petit à petit a fait révolution, mais en profondeur. En profondeur dans les consciences, parce que petit à petit on s'est dit mais oui, mais pourquoi pas. Et puis bon, des événements avec l'industrie ont fait que il a fallu trouver d'autres solutions pour nos productions, parce que on est arrivé à un point de non-retour. Et donc, là, moi, je me suis vraiment orientée dans la transformation de mon travail. Valoriser le produit comme je l'entendais jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a demandé de la patience, du temps,
parce que c'est déjà ma nature de fonctionner comme ça, pas à pas. Mais là, encore plus, hein, parce qu'il a fallu faire des essais, il a fallu trouver des solutions. Elles ne vous viennent pas comme ça. Hein. C'est au fil du temps que des réponses vous arrivent. Et là, ben, voilà, j'ai fait cette démarche de valorisation jusqu'à revenir à des techniques ancestrales qui étaient complètement tombées dans l'oubli, comme l'enfleurage à froid sur châssis. Alors ça, c'est une technique évidemment qui pouvait me combler, parce que là, je restais vraiment dans la qualité du produit jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une énorme satisfaction pour un producteur, parce que là, vous n'avez plus d'intermédiaire, vous êtes maître de vos décisions, vous êtes maître de votre travail, vous devenez entrepreneur, je vais dire, pour celui qui entreprend quelque chose de nouveau, qui élabore complètement la façon dont il a envie de travailler, hein. Et pour moi, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est vraiment... Alors, même si je suis toute petite, j'ai travaillé à une vision nouvelle sur être maître de son travail en qualité, puisque c'est vraiment ma démarche profonde dans le respect de la vie, dans le respect du consommateur. C'est toujours le respect de la vie. Le respect de la terre, le respect des modes de transformation, le respect de celui qui va utiliser votre produit, hein, puisque j'ai une base de réflexion sur la santé. Donc tout ça fait que ça fait vraiment un tout, et je suis dans une vision holistique au niveau de mon travail, hein, et une vision, on peut dire, au-delà de ça, hein, on est vraiment dans une... ce travail, je ne le considère pas vraiment comme une profession. C'est vraiment œuvrer à quelque chose qui me nourrit, moi, déjà, personnellement. Et moi, je suis une amoureuse de la terre, donc je me sens en cohérence avec tout ça. Je me sens en cohérence avec les lois de l'univers, je me sens en cohérence avec... le respect du consommateur, je me sens en cohérence avec ce désir de partager cette beauté, en cohérence avec une harmonie de la vie à un haut niveau, quoi. C'est, ou à un bas niveau, parce que les lois de la vie au niveau du sol sont les mêmes que les lois de la vie au niveau, je vais dire, de la conscience spirituelle. C'est... Voilà. Donc, j'œuvre avec joie, on va dire comme ça. Et je partage cette joie. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui sème, on va dire, hein, qui a semé. Voilà. J'aime beaucoup cette idée que regarder une fleur, sentir une fleur, finalement, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Je trouve ça très beau que la beauté que soit quelque chose de plein et qu'on ait besoin de rien ajouter. Alors il se trouve que mon métier, moi, c'est de faire des parfums, ce qui suppose déjà une technique, hein, un apprentissage technique.
Et mon métier, c'est de donner des idées, c'est de proposer des idées. Et je trouve que c'est comme une peinture, comme une composition. On essaye de proposer quelque chose aux gens, après les gens le reçoivent ou pas. Et voilà, c'est peut-être une autre idée de la beauté. Peut-être que la première idée influence mon travail, comme cette rencontre avec Michel, c'est-à-dire plus je compose en réalité, plus moins j'utilise de matières premières, plus j'ai les idées claires et plus je fais de choses simples. Moi, pour l'instant, mon activité principale, c'est plutôt la création et l'entretien de jardin. Après, c'est sûr que ce que fait maman est très intéressant et ça donne envie justement de m'investir avec elle. On va voir un petit peu comment se mettent en place les choses et pourquoi pas, avec grand plaisir. Il y a toujours des possibles. Mais il faudra que les pratiquants de cette agriculture qui essaient de redémarrer, je parle de la plante à parfum précisément, c'est que les personnes qui s'engagent auront besoin d'avoir avec elles toute l'énergie de la vocation. Pourquoi ? Parce qu'on retourne au même paradigme du passé, c'est-à-dire que le paysan, l'homme de la terre, est condamné à vivre pauvre et à mourir riche. Parce qu'il est obligé d'assumer pour des années devant lui les catastrophes possibles, les méventes et tout ce qu'on connaît comme difficultés. C'est mon arrière-grand-père qui a travaillé énormément pour pouvoir acquérir tout ce patrimoine. Et c'est sûr que c'est pour nous, en tout cas, surtout dans le département dans lequel on est, c'est une propriété qui est inestimable, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, c'est sûr que si on n'avait pas tout ce patrimoine-là, ça serait encore beaucoup plus compliqué. Il faut que les gens qui entreprennent cette démarche, c'est le plus beau des métiers, si vous voulez, mais il faut qu'ils sachent ça d'entrée. Il ne faut pas qu'ils comptent, il faut qu'ils rejettent cette notion de subvention, de faire vivre artificiellement les gens. Pourquoi faire, puisque la réalité va toujours paraître un jour ou l'autre. Donc, toute cette nouvelle économie possible, il faut qu'elle soit basée sur le prix de revient réel. Et il faut donc les produits que cet agriculteur qui s'installe aujourd'hui puisse vendre à un prix correct. Il ne fera jamais de miracle, il ne fera jamais fortune. Je vous ai dit quel est le sort. On dirait que c'est un destin des gens de la terre, vivre pauvre et mourir riche parce qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Et oui, c'est donc on est dans l'arrière-pays grassois. À 1300 mètres d'altitude. On est sur la cueillette de la lavande fine, qu'on appelle lavandula vera, qui n'a absolument rien à voir, on peut le voir, hein, au niveau des épis, au niveau de la taille de la plante, avec un lavandin. On est vraiment sur de la lavande sauvage. On est sur un travail tout à fait à la main, à l'ancienne, à la faucille. Le récolteur fait corps avec la plante. Et là, on a. C'est quelque chose, je pense que c'est une vibration subtile qu'on va retrouver dans le résultat après distillation. Je pense que ce travail, on peut dire presque émotionnel, hein, de sensibilité, c'est quelque chose qui va donner une autre vibration au produit fini.
Quand je propose mes huiles essentielles et que je fais sentir mes huiles essentielles, il y a déjà tout ce feedback, de tout ce plaisir, de toutes ces effluves, de toute cette beauté, de tout ce cadeau de la nature. Parce que là, on est vraiment la main de l'homme. Moi, j'apprécie parce que je suis en culture sur d'autres plantes. Donc, et là, on est sur un cadeau. Voilà, donc je le vis encore plus profondément, puisque là, je n'ai pas fait d'effort de culture et je remercie Dame Nature de nous offrir autant de beauté et de parfum. Quand on est parfumeur, on aime bien forcément les belles matières premières. Forcément, on est sensible à la richesse. Juste pour prendre un exemple, quand on sent une essence de rose, on sent... Voilà, 500 odeurs différentes. Et tous les parfumeurs ont cette capacité de pouvoir apprécier. Le parfumeur de niche, lui, à côté de ça, il a beaucoup de liberté. C'est ce qui fait sa force, je dirais. Et pour mon travail personnel, le fait d'être à Grasse, déjà, c'est quand même une chance inouïe parce que ça permet d'avoir accès à beaucoup de matières premières et donc de les connaître, je dirais, assez intimement. On parlait de Michel tout à l'heure et du Jardin de la Bastide. La créativité, pour moi, c'est quand même quelque chose de vraiment fondamental. Si je fais ce métier, c'est parce que moi, je suis attiré par tout ce qui est univers artistique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est bien sûr respecter la beauté des matières premières, mais en même temps, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, si possible. Et je trouve que c'est un monde où on peut encore ouvrir des portes. Le parfum, c'est sous forme alcoolique, c'est quelque chose qui doit dater entre 100 et 150 ans. Alors, c'est encore un domaine où on peut exprimer des choses. Ma manière de l'exprimer est souvent dans la douceur et dans une espèce de simplicité. Mais ça suppose quand même des idées, ça suppose oui, d'être à l'écoute aussi du monde, de voyager, à l'écoute de ce qui se fait en littérature, de ce qui se fait en peinture. Moi, je vais aussi chercher mes sujets d'inspiration, non seulement directement dans les matières premières olfactives, mais aussi dans tout ce qui se passe en créativité dans le monde. Et c'est une manière aussi de travailler. Je ne peux pas envisager mon métier sans connaître les gens qui vont porter mes parfums. À tel point que c'est assez étonnant, mais on reçoit des cartes postales, enfin c'est vraiment, ça devient vraiment très sympa. Et oui, je me souviens, enfin j'ai vu des gens pleurer en sentant un parfum, j'ai vu des gens qui changeaient de parfum parce que dans leur vie quelque chose s'était passé. Donc il y a vraiment un accompagnement et une proximité avec l'humain qu'on n'imagine peut-être pas. On voit ça souvent comme quelque chose de très superficiel, le parfum, un cosmétique décoratif ou je ne sais quoi, mais non, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Les émotions superficielles, c'est celles-là qui sont mentalisables. Ce sont celles-là d'ailleurs qui mènent le monde, parce qu'on nous mène par les motifs un peu. Hein. Et donc ça, c'est du superficiel, ça c'est toujours du champ de l'ego. La beauté des sens profonds, ça, c'est ce qui nous relie à l'unité. Donc, c'est une autre dimension totalement inconnue à l'homme. Voilà. Seulement, il y a des moments où la chose nous touche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut rentrer dans la profondeur du sujet et aborder la beauté en dehors de toutes les notions d'esthétique, de joliesse, de jolie supérieure, etc., etc. Tout ça, c'est toujours des beautés avec des petits b, avec un b minuscule, et donc des beautés mises au pluriel. La beauté, elle vient d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'inqualifiable. Et pourtant, il nous faut trouver les mots pour dire ce qui peut s'approcher. Ou surtout pour dire tout ce qu'elle n'est pas.
Donc cette lavande, après, une fois récoltée en ballot, hein, vous voyez, elle n'est pas du tout récoltée à la gerbe ou de façon mécanique, c'est tout est fait main. Elle est traitée après en petite quantité dans un alambic à l'ancienne, un alambic en cuivre encore, que je tiens de mon grand-père. Et donc, vous voyez, on est sur un travail tout à fait différent de ce qui peut se faire ou qui s'est fait sur le plateau de Valensole, parce qu'à une époque, c'était encore les gerbes qui étaient stockées et puis transportées. Maintenant, on est passé sur des techniques tout à fait industrialisées, à grand volume, grand rendement, sur des hectares, etc. Je travaille en saisonnier en agriculture parce que là, tout simplement, la terre m'apporte, j'en ai besoin. Il y a un échange qui est entre. Et c'est vital. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. J'ai trouvé la possibilité de travailler avec la famille Gradien, qui eux recherchent de la main-d'œuvre parce qu'ils travaillent encore à l'ancienne avec une distillerie artisanale qui travaille sans machine en fait, hein, où il y a la plus grosse partie du ramassage au champ. Hein. Jusqu'à la mise en passe pour distiller, c'est tout manuel, donc il faut de la main d'œuvre. Et cette famille-là, parce que on a, on va dire, je on va dire que c'est des gens chez qui, avec qui on a la même façon de penser, sur certains points, de voir l'agriculture aujourd'hui comme elle est, non pas d'avoir un profit, mais plutôt de le faire par passion. Voilà. Dès que j'ai la possibilité de pouvoir travailler dans une famille qui utilise un procédé bio, j'y vais à bras ouverts. C'est ce que je recherche. Voilà. C'est ce que je recherche. Maintenant, c'est difficile à trouver, c'est vrai. Beaucoup d'exploitants utilisent du conventionnel aujourd'hui. C'est très difficile à trouver, mais c'est pas perdu. J'ai passé mes diplômes en 96, de 96 à 2000, au lycée agricole de Carmejane, qui me permettait de pouvoir m'installer. À l'époque, c'était pareil, j'avais pas la possibilité de pouvoir m'installer, pas issu du milieu agricole, pas de terre. Quand j'ai eu la possibilité de trouver la personne de ma vie qui a bien voulu se lancer avec moi pour s'installer, j'avais les diplômes donc pour pouvoir prétendre à la DGA, la dotation de jeunes agriculteurs, parce que j'ai moins de 40 ans, j'ai fait les démarches auprès de la Chambre d'agriculture et de la SAFER. On a trouvé une campagne à Vaumeil.
sont timides, hein. Elles sont impressionnées. Elles sont carrément impressionnées. Viens, Bibi. Je peux le mettre là peut-être à l'heure, comme ça après le président. Voilà, ouais, les banques se sont rendues sur l'exploitation, qui au départ était enthousiaste, hein, m'ont dit que c'était un projet qui était viable. La Chambre a donné son avis favorable, la SAFER aussi. On avait passé une pré-candidature cantonale directement sur la commune où on était retenu premier candidat, parce qu'on était 5 sur l'exploitation. Et le cheminement a fait que donc, tout se goupille bien. Et puis au final, on a été jugé par les banques trop insuffisant en revenus, en apport. Alors qu'une des deux banques, qui était des deux plus grosses banques, hein, qui devait prêter l'argent, s'était rentrée sur l'exploitation et qui était au départ... favorable, ils avaient vu, vous allez capitaliser, vous allez, feu vert, on a lancé le projet, hein, avec les allers-retours, les démarches, les coûts des différents travaux qu'il allait y avoir dans toute l'exploitation, aussi bien bâti d'exploitation qu'habitation aussi, hein, les deux. Et ben non, ça s'est pas fait. Voilà, on a rebondi. Elle est pas habituée, elle. C'est la chèvre de Monsieur Séguin. On a rebondi avec ma compagne, on a cherché d'autres campagnes. Toujours jugé trop cher, on relançait le même projet, les mêmes demandes. Au même coût, les banques n'auraient pas prêté, ça a été... Ça a été une petite période et puis jusqu'au moment on s'est dit ben, pourquoi on ne va pas acheter moins onéreux une maison. Simplement, on est passé par des agences. Ma sœur qui est au Pays Basque connaissait très bien une agence dans le département. On est passé, aujourd'hui on a trouvé ce petit nid là dans les bois où on ne peut pas produire, mais vivre de notre passion. Avec des animaux, nos cochons pour manger bon et nos chèvres, avoir notre lait, nos œufs. C'est notre petit, c'est quelque chose que ça, on ne perd pas. Si on ne peut plus produire aujourd'hui, n'étant pas issu du milieu agricole, on ne nous donne pas la possibilité de s'installer, on a trouvé cette possibilité-là, au moins de se nourrir. Avec nos produits. Oui, les difficultés sont multiples pour celui qui veut entreprendre aujourd'hui cette démarche d'installation en agriculture. Pourquoi ? Il y a aussi la difficulté de l'espace. L'espace, on voit que pour moi c'est une évidence en tout cas, les mouvements du monde suivent les mouvements de la conscience. La conscience de l'homme est en train d'être rétrécie pour des visions ultra technologiques. Et donc cette vision, cet état de conscience de l'homme fait que le monde lui-même se rétrécit. Les distances se rétrécissent. Et dans des régions touristiques où les enjeux de rentabilité, de beauté de paysage, de tourisme et d'efficacité financière de toutes sortes, ça devient carrément dramatique, voire impossible. Il y a encore beaucoup d'espace, mais pouvoir l'utiliser, trouver les moyens de l'acquérir, c'est pratiquement impossible, puisque maintenant, même dans le proche arrière-pays, là où les cultures sont très difficiles, on voit que les prix des terrains ont monté considérablement. Plus on s'approche de la côte, plus c'est impossible et impénétrable. Donc vous voyez, c'est un handicap énorme. Celui qui doit acheter les terres aujourd'hui, avec la tellement faible rentabilité de ce qu'on appelle exploitation, que j'ai un terme que je déteste, mais de la culture pour s'en sortir, devient impossible parce que vous êtes condamné à travaux forcés à perpétuité pour arriver à payer votre fonds.
Parce que la rentabilité de la terre aujourd'hui, c'est 1 à 2%. Donc vous voyez, il faudrait pratiquement entre 50 ans et un siècle pour amortir votre terrain. Donc si vous avez de l'argent qui vient de l'extérieur, tombé du ciel ou d'un héritage, vous pouvez entreprendre. Mais s'il vous faut partir de zéro, surtout si vous n'avez pas la technique, mais alors vraiment assurée dans tous ces aspects, vous êtes déjà perdu d'avance. Voilà. On rebondit toujours dans la vie. On est positif, hein. Ça c'est, il n'y a plus toujours aller de l'avant, hein. C'est un combat. Mais le projet il n'est pas enterré, ça c'est, on l'a en soi, c'est quelque chose qu'on a, enfin, on a à vie. Hein. Voir, c'est une passion, c'est pas un métier même. Ça c'est un truc, ça s'explique pas. Lavande et lavandin, bien sûr, vous avez cette production industrielle qui couvre la grande majorité des surfaces. Alors là, on recherche la productivité, travail mécanique, les engrais, les désherbants, toute la chimie moderne et tout le système moderne de culture, puisqu'il faut amener les produits à des prix très bas pour que l'industrie puisse les incorporer dans ses compositions, dans tout ce qui est produits ménagers, etc., savonnerie, etc. Et donc là, il faut de l'espace. Et ce que nous voyons, par exemple, sur le plateau de Valensole, ce sont de très grandes exploitations qui, de surcroît, je pense, touchent quelques primes européennes. Donc vous voyez, on est dans un système faux, parce que l'agriculteur ne peut pas vivre de primes. Et chaque fois qu'il touche des primes, c'est encore un piège redoutable qui est tendu et qui se retrouvera 10, 15 ou 20 ans après. Les cultures industrielles, ça a prouvé, elles ont prouvé leurs limites. Ça n'est plus viable et petit à petit, ça n'est plus vivable. Voilà. Ces machines-là que vous voyez ensilées, qui avalent tout sur le passage, les abeilles, qui meurent sur le tas, hein, à peine qu'ils distillent avec, il y a un non-respect. Voilà. Ça me révolte même, à la limite, de penser à un profit en tuant ce qui nous donne la vie, tout simplement. Les abeilles, on le sait tous, hein, c'est ce qui pollinise notre nature et qui nous fait vivre. On les tue en faisant un profit d'argent. Ça, c'est pas... Non, je ne travaillerai pas pour des gens comme ça, non. La vie, c'est pas l'argent, c'est... Surtout dans le monde agricole où l'agriculture, c'est quoi? C'est notre nourriture, c'est nourricier, c'est ce qui nous donne la vie. C'est pour ça qu'on doit être le maillon qui fait que l'on travaille cette terre. C'est pas, on doit rien attendre d'elle. On va peut-être faire symbiose, mais l'argent ne devrait même pas exister. On devrait, c'est mon point de vue. Si pour moi, ce que représente l'agriculture, c'est on ne travaille pas pour le pouvoir, mais par passion. Enfin, ça ne s'explique pas là non plus, j'ai du mal à trouver les mots, mais la passion, c'est quoi la passion? C'est une sorte d'amour.
On n'attend même pas un retour, on est bien quand on l'a. Quand on est avec. C'est même vital. Voilà, ces gens-là, j'ai pas l'impression que ce soit. Oui, ils le font parce qu'ils sont là de génération, ils ont ça, et puis s'ils peuvent grossir encore un peu plus, ils grossissent. Ils avalent tout sur leur terrain, ils achètent, même s'ils n'en ont jamais assez, toujours ils achètent. Toujours ils produiront plus, ils peuvent la produire, appauvrir encore un peu plus. Et ils n'ont pas le bon œil, qui est pour moi le vrai, c'est le réel. Votre état d'être détermine la qualité de votre relation avec ce qui vous environne. Et c'est là le secret de ce qu'est la beauté. Vous pouvez passer à côté de la beauté toute une vie sans la voir. Vous pouvez considérer ce que vous faites uniquement comme une culture rentable dont il faut vivre, etc. Et donc vous pouvez apporter tous les soins uniquement dans un esprit de rentabilité. Et puis il y a celui qui a été touché peut-être un petit peu par la grâce, et ça ne se détermine pas, puisque c'est un état paisible, c'est un état de silence en soi. C'est le silence qui permet la dimension des profondeurs des sens. Donc si vous êtes silencieux, les choses que votre être va rencontrer vont être couronnées de beauté, forcément, et de conscience profonde. Et à partir de là, tout ce qui va découler va être imprégné, va être adombré, hein, par cette beauté universelle, inqualifiable, qui est le don de surcroît. C'est de surcroît que ça vient, mais il faut l'état requis. Donc état de silence, état paisible, de bonheur tranquille. Et ce sont ces gens-là qui vont modifier le monde. Ce n'est pas tout ce qu'on dit, ce n'est pas les partis, ce n'est pas les options économiques, c'est cet état-là qui va modifier le monde. Pourquoi ? Parce que ce que vous rayonnez, vous, qui va jusqu'aux confins de l'univers, puisque l'univers se comporte bien par rapport à l'homme comme un miroir géant qui lui renvoie tous ses états d'être. Donc voilà, vous êtes en état paisible, état silencieux. L'univers ne vous renvoie que son propre ordre, qui est beauté en même temps. Qu'il s'agisse du sol, des animaux, des plantes, en somme de tout ce qui fait notre monde et l'univers, si on étant à l'extrême, c'est que tout participe de l'un. Tout est un, c'est-à-dire que j'ai été végétal, j'ai été animal, je le suis encore beaucoup, malheureusement, et je suis appelé à devenir homme, avec un H majuscule, puisque pour le moment, nous ne faisons que participer d'une dimension pseudo-humaine qui fait que le monde est ce qu'il est. Est-ce qu'on pourrait envisager un monde de guerre tel que nous avons aujourd'hui, de violence, etc., si l'humain était homme ? C'est impensable. Donc voilà, je pense que tout ce avec quoi nous rentrons en contact est à la fois influencé par nous et nous sommes influencés par ce milieu. C'est pour cela que l'homme a tellement besoin de beauté. Cette beauté, c'est le miroir de ce qu'il n'est pas encore. Donc la plante, elle, a atteint son niveau de perfection, les animaux aussi. Et l'homme, lui, où en est-il ? Et la question que je me pose, quand je vois la beauté des fleurs, parce que là il s'agit d'un B majuscule, il n'y a aucune créativité humaine là-dedans, ça c'est toujours du secondaire, c'est toujours dans le domaine de la production, ça n'est toujours pas la beauté. Je me dis, où en suis-je avec moi-même ? Et donc si je peux répondre intelligemment à cette question, mon comportement sera équivalent avec la nature et tout ce qui m'environne.